Aujourd'hui, c'est la première escapade de Bouxy, le bouquetin. Et bien Bouxy, nous allons monter tout droit par le remonte-pente. Et tout en haut, nous allons prendre un petit sentier qui grimpe à travers la forêt, puis les éboulis. Arrivé au dernier pilier, on va tout de suite prendre une petite sente qui part à droite à travers bois. N'est-ce pas Bouxy? On y va. Ça monte à vue et en travers dans la forêt. Donc faut y aller au jugé. Au bout d'un moment, on trouve de petites traces bleues, mais c'est vraiment léger et il n'y en a pas partout. Et là, ça va commencer à grimper. On finit par rejoindre le sentier ébouli normal. Donc là, on grimpe là où c'est le mieux, jusqu'à la falaise. À gauche, le sentier fêché bleu s'en va vers le Gollet de l'Agneau, ou la faille, comme vous voulez. Et à droite, le sentier fléché orange et vert aussi s'en va vers le trou de l'Agneau. Ça suit un tout petit peu la falaise, pas très longtemps. Et après, hop, ça commence à grimper. Alors, je pense que c'est là-haut. C'est bien pierreux, ça grimpe. Hein. Je pense que ça doit sortir par là-haut. Je sais pas où est la grotte encore. Quand même, hein. C'est des petits passages d'escalade, hein, facilement du 3. Où que l'on passe, ce n'est pas facile. Par ici, ça devient plus calme, hein. C'est beaucoup plus facile, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va aller dans la grotte. Eh bien, nous y voilà. J'ai pris une petite frontale, j'espère que ça va servir, j'en sais rien. Ah tiens, t'es déjà là, toi. C'est pas difficile, mais le rocher est glissant. C'est un peu mouillé. Il fait sombre et on voit la sortie là-bas. Ça grimpe bien par là, c'est glissant en plus. Hein. Ah tiens, tu te caches toi. Et voilà la sortie. T'as retrouvé les huîtres des autres couillons? Ils auraient pu au moins les ramener chez eux, ces gros crades. Cette grotte complexe à entrées multiples est bien sympathique. Voilà l'entrée en bas, par où on est passé donc. Et de multiples petites cheminées, c'est très joli. Chouette vue sur la vallée. Là-bas au fond, on voit la croix du Nivolet. Là, il y a encore une petite possibilité de sortie. En bas, ben, faut pas y aller tout droit, hein. Là-bas, c'est Plainpalais. Et en face, là-bas, le mont du Revard. Et tout au fond, on voit même la dent du chat. C'est très joli. Et voilà donc la sortie du trou. C'est chouette quand on arrive avec le ciel bleu et le soleil. Suivez les flèches. C'est juste à côté, au pied des petits arbres. C'est fléché en jaune, à orange. Alors c'était bien, qu'est-ce que t'en penses? Alors je dirais qu'à la montée c'est quand même assez craignos déjà. Et que tout seul et sans corde, bon ça fait un peu peur. Après à la descente il faut carrément éviter. Sauf à faire des rappels. Le reste de Margériaz, ben faut oublier, c'est très moche. Il y a des poteaux de téléski partout. À l'aplomb du poteau, ben, y a la faille par laquelle je vais descendre. Alors certains l'appellent le Gollet de l'Agneau. C'est beaucoup plus facile. Alors pourquoi le trou de l'agneau? Alors peut-être parce qu'un agneau un jour s'est égaré et qu'un berger est allé le sauver. Sinon je vois pas d'autres possibilités. Et pourquoi le gollet de l'agneau? Peut-être que les bergers prenaient un raccourci pour monter à Margériaz et passer par là, avec des agneaux sur le dos. Me voilà au fond de la faille. Et c'est là que débutent les câbles et les échelles. Ça passe. Après ça continue par là-dessous, c'est assez facile. Faut avouer qu'ici sans échelle ça serait plutôt délicat. Enfin Bouxy lui il s'en fout pas mal, hein. Ça lui fait pas peur. T'as raison Bouxy, faut se méfier des câbles, ils ont tendance à s'arracher. Faut pas se tirer dessus. Les vieilles rambardes en ferraille sont beaucoup plus costauds et sont sans doute là depuis des dizaines d'années. La descente continue. Bah, c'est pas bien difficile. Route tour au début de la boucle. Je vais aller récupérer mes bâtons. Donc un conseil, laissez les bâtons en bas si vous faites le tour. Ils vous serviront à rien, vous les mettez pendant tout le trajet. Et dernier conseil, et reconseil on va dire, ne vous tirez pas sur les câbles. Tant qu'ils n'ont pas été changés, c'est dangereux, vous risqueriez la chute. Allez, une petite descente dans les éboulis, histoire de rigoler un coup. Ah, ça c'est du bon. Encore. Allez, stop, on va ranger l'appareil. Ça valait le coup, non? Ça, c'est une belle descente. Allez, je vais continuer à descendre par le chemin normal cette fois. Ça va me changer. En suivant bien la trace dans les boulis, ben, on retrouve le sentier qui va nous ramener à Plainpalais. Par ici, les fourmis sont rigolotes, c'est le grand affolement là. C'est marrant ça. Une portion du sentier est très glissante. Donc quoi qu'il arrive, plus haut les rochers glissants aussi. C'est une sortie qu'il faut faire quand c'est bien sec. Descente très agréable à travers bois. C'est vraiment joli comme sentier sous les hêtres. Un peu plus bas, on retombe sur le GR Tour des Bauges, qu'on va suivre et qui va nous ramener pile où on est garé. Plus bas, le chemin emprunte les pistes de ski. Et ensuite, on va prendre tout droit le gros chemin d'alpage. Ben voilà, c'était super. Mais alors, c'est une rando qui est réservée aux alpinistes escaladeurs pour ce qui est du passage du trou de l'Agneau. Et de l'autre côté, côté Gollet, ben, pour les randonneurs confirmés quand même. Mais très belle rando en tout cas.